Bonjour, je vous présente l'espace de stockage des livres des Trois Chardons. Ici, on a les 20 titres de tous les histoires Trois Chardons qui sont stockés. Donc, les livres qui partent dans les écoles, les livres qui partent en vente par correspondance ou ceux même que vous pouvez acheter ici. Tout est là. Voilà, on arrive dans mon espace de travail, essentiellement. Donc dans cette salle, on a du stockage, encore du stockage. Mais cette salle-là nous sert aussi pour les répétitions, avant que les décors partent en tournée. Et ça nous sert aussi, nous, toute l'année, pour construire ou réparer les décors existants. Suivez-moi, on arrive dans la deuxième salle. Il nous sert essentiellement pour la réparation des décors, aussi salle de répétition au moment des répétitions. Et je peux vous montrer justement le décor type des Trois Chardons. Le décor Trois Chardons, c'est deux caisses, une sono, un petit lecteur, et un tape, un grand rideau noir. Là, on a les éléments qui servent quand les comédiens passent, s'ils ont une marionnette cassée, faire un échange standard très rapide. Là-bas, on a les costumes de l'année et aussi ceux qui servent pour les cachettes et du stockage. La salle 3. Donc dans cette salle, on fait la peinture, on fait de l'électronique et aussi la couture. Donc la couture, c'est les costumes comédiens, c'est les marionnettes. La peinture, c'est un poste très important, on a énormément de peinture. Et l'électronique, c'est surtout pour les stop sonos, les sonos, voilà, pour que tout marche bien. Voilà, ici c'est la salle 4, c'est la salle qui nous sert pour le travail du bois, le travail du métal et l'électricité pour l'éclairage dans les spectacles. Donc c'est là où on a un peu tous les gros outils, et tout ça. Nous arrivons à la dernière salle, c'est la salle qui sert de salle de répétition, mais surtout c'est la salle où on range tous les décors qui servent pour les cachettes, c'est-à-dire à Paris, Nancy, Nantes, c'est que les décors spécialement cachettes. Merci de votre petite visite, à bientôt dans nos salles, au plaisir.